plaisir. On couvre plongée, monsieur Four, qui est très bien. Je vais faire une contre-plongée. Voilà. Ne bougez pas. Oui. Donc j'ai vu justement la soutenance de Julia Gutiérrez. D'accord. Mais je voulais en voir d'autres. Ouais. Comme ça, je peux aussi essayer de voir comment ça se passe. Celles qui sont avec moi ou d'autres? En fait, toutes les soutenances. En décembre, moi, je vais être dans deux soutenances. Professeur d'histoire de la télévision et des arts électroniques à l'Université de Pise. Elle a fait sa thèse à l'Université de Pise. Elle co-dirige à Milan InVideo, qui est une exposition internationale sur les arts vidéo et le cinéma expérimental. Et justement, dans le cadre de cette manifestation InVideo, elle a invité en 2010 Jean-Christophe Averty pour des projections de ses œuvres et pour des rencontres. Il y avait aussi d'ailleurs Caroline Barbier-Dereul qui était là. Et elle dirige à Pise Onda Vidéo, une manifestation consacrée à l'art vidéo depuis 1985. Donc voilà, elle va nous parler justement, elle va nous analyser l'art vidéo chez Jean-Christophe, entre télé et art vidéo, quelques notes d'imagination électronique. Merci Sandra. Merci à vous pour cette invitation et pour l'occasion de réfléchir encore sur l'œuvre de Jean-Christophe Averty que j'avais rencontré justement à Milan. Je l'avais traduit aussi pour une... Merci, c'était vraiment important de l'inviter et merci pour cette invitation qui m'a poussé à réfléchir justement sur les relations entre la télé et l'art vidéo chez Jean-Christophe Averty, avec cette idée du surréalisme qui nous guide aujourd'hui. Donc là, j'ai voulu commencer, je commence avec cette image. C'est une image de... Voilà. C'est une image de Nam June Paik. Vous pouvez la voir. C'est un téléviseur, c'est le dessin téléviseur d'un récepteur qui sourit. Et je voudrais à ce propos lire une phrase que j'ai mise d'ailleurs. Il n'y a rien à la télévision pour moi. C'est dans l'entretien de François Jost qu'on a cité ce matin aussi. 2010, il y a de la poussière sur un écran. Je dessine avec les doigts une tête avec deux yeux, une bouche sur l'écran de télévision et ça me suffit. Alors, la question c'était est-ce qu'il y a de la création aujourd'hui à la télévision et Jean-Christophe Averty a répondu, mon récepteur, il y a de la poussière, je dessine une bouche. Deux yeux et une bouche sur l'écran de télévision. Jean-Christophe Averty avait dit il y a des différences entre mon œuvre et l'art vidéo. Nous, on voulait faire une émission, des émissions. L'art vidéo était limité dans les ambitions. L'image doit véhiculer une idée. Peck, comme vous le dites, avait seulement l'ambition de modifier les images en absence d'un texte. Moi, par contre, j'ai choisi des textes à raconter, à mettre en scène. Pour moi, la narration est très importante. Et ça, on l'a vu dans toute la journée, on l'a écouté, l'importance du texte dans l'œuvre de Jean-Christophe Averty. Alors, moi, mon idée aujourd'hui, c'est
démontrer ou de faire voir, disons, comment peut-être l'art vidéo a su apprendre cette leçon de Jean-Christophe Averty et dépasser aussi la modification des images seulement, tout simplement, pour arriver aussi à une nouvelle narration, mais avec des liaisons évidemment qu'on a entre l'art vidéo et l'esthétique, la poétique de Jean-Christophe Averty. Donc, j'ai préparé une série d'exemples, mais la série d'exemples, ça part de la question du récepteur, justement. Alors, vous voyez ? Très bien. J'ai pensé à quelque chose que Averty a dit. J'ai travaillé contre la télévision. Donc, la question de la destruction de récepteurs de télé, du côté jeu, du côté corrosif, du côté maltraité l'objet téléviseur. Là, c'est un téléviseur avec des clous. On sait que les clous, on a vu aussi ce matin le catalogue des clous, mais c'est pas ça, évidemment. Il y a des références aussi au surréalisme, à certains œuvres. Je laisse à vous de faire des liaisons avec tout ça. Et donc, j'ai repéré dans l'art vidéo des origines, des relations avec ça. Et par exemple, Shigeko Kubota, qui était la compagne de Pike, elle a fait aussi un nu descendant l'escalier en vidéo, une installation aussi. Mais par exemple ici, évidemment, c'est des esthétiques bien différentes, donc c'est des artistes assez différents l'un par rapport à l'autre, mais là vous voyez un récepteur de télé. Aussi employé d'une manière pas traditionnelle, pour ainsi dire. Et là, on a un récepteur, un écran de télévision coupé par une scie mécanique, comme on dit, une scie électrique. Donc, c'est peut-être un peu comme l'œil dont on parlait, l'œil coupé de Buñuel, si on veut faire des réflexions à ce propos. Là, Faustel, qui est un des initiateurs aussi de l'art vidéo, qui met le récepteur dans du béton. Donc, il s'embellit, disons, dans du béton. Là, on a plein d'exemples de ce type, j'en ai choisi seulement quelques-uns, mais pour démontrer, pour faire voir, pour réfléchir sur des questions intéressantes, c'est-à-dire l'importance du jeu, de jouer avec la technologie. On parlait ce matin du côté jouer, jouissance, jouer. Et aussi, quelque chose de très important, parce qu'on en parlait ce matin, la spécificité de la télévision, pas seulement du téléviseur, mais de la télévision. Quand ce matin, François Jost disait, et Averty, il dit, la télévision, c'est l'électronique. Alors, la première exposition d'art vidéo, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, de Pike s'appelait Exhibition of Electronic Television. Alors, la télévision électronique, ça paraît banal de dire, parce que la télévision, c'est de l'électronique. Mais en effet, ce n'était pas de l'électronique. La télévision, elle faisait du théâtre, du cinéma, de la littérature, de la radio, mais elle n'employait pas la spécificité électronique. Donc, la télévision électronique, c'était quelque chose que déjà en 1963, Pike nommait, l'art vidéo c'était nommé télévision électronique. Donc ça je trouve très intéressant. Et encore, les déréglages, les erreurs, l'art vidéo, les gestes de l'art vidéo, ça a été de découvrir que la télévision faisait des erreurs. Donc on mettait un magnète, comme on dit, un aimant géant sur le récepteur et l'image devenait abstraite, indirecte. Donc l'effet se produisait en direct. Et c'était une erreur.
Les gens qui visitaient l'exposition disaient c'est des télévisions qui ne marchent pas. Mais ce n'était pas ça. C'était la découverte de la télévision abstraite. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui intéresse Jean-Christophe Averty, parce qu'il a dit, je ne m'intéresse pas seulement à la modification des images, mais il s'intéresse beaucoup aux erreurs, à ce qui ne marche pas, aux effets maladroits, ou insidieux, ou qui font semblant d'être maladroits. Et donc, ça, je trouve aussi des moments de contact. Et après, je disais, bien sûr, l'art vidéo a beaucoup de relations avec les avant-gardes historiques, pas seulement le surréalisme, mais le futurisme, le dadaïsme, et on sait que Fluxus a amené tout ça vers l'art vidéo, pas en entier, parce qu'il y a différents aspects de l'art vidéo. Alors, encore quelques moments. Si vous voulez un peu de surréalisme, dans ces cas-là, on abandonne le récepteur pour réfléchir sur certains aspects de l'art vidéo qui met en scène des moments, des figures, comme on l'a dit aujourd'hui, des avant-gardes. Alors là, évidemment, le motif de l'œil, c'est toujours très important. Là, chez Tony Usler, il y a toujours une cruauté, certaines fois des corps coupés, des visages isolés, un peu inquiétants, perturbants. Encore le motif de l'œil, dans ce cas-là, un œil qui mord, donc je trouve que c'est quelque chose qui a assez de complicité avec. Ce que Jean-Christophe Averty a fait. Et Peter Callas, c'est un auteur d'Australie. Et je trouve qu'il est très intéressant pour les analogies qu'on trouve avec l'esthétique. On ne peut jamais faire des comparaisons. Il ne faut jamais faire des comparaisons. Mais si on veut trouver des moments dans l'art vidéo, dans cet artiste, il y a vraiment des motifs. On verra aussi après. Voilà, par contre, un auteur canadien où il y a la question du corps. Et l'image double. Oui, et de l'image double. D'ailleurs, le double, par exemple, l'effet de dédoublement qu'on trouve chez Averty, je pense à Yves Montand, qui chante avec. Il dit, j'en ai fait quelques-unes. Yves Montand qui chante avec soi-même, avec ses doubles, ça on les retrouve aussi dans les premiers essais de l'art vidéo, du dédoublement. Mais bien sûr, c'est très différent parce que Averty a rempli de sens et d'une communication de signification comme on l'a appris aujourd'hui aussi. On continue, on vient de voir avec Duchamp une image semblable. Ça, c'est une artiste de Hongrie qui travaille beaucoup sur le morcellement du corps. Et donc, j'ai voulu partager avec vous tout ça. Il faut dire aussi qu'à propos des intermèdes dont on parlait ce matin, il y a eu à la télévision des intermèdes assez cruels, par exemple David Hall en Grande-Bretagne qui faisait, pas cruel, mais des provocations assez perturbantes à plusieurs reprises. Et donc ça c'est aussi une démarche intéressante pour les relations entre la télé et ce type d'intervention. Une démarche, un parcours que j'ai trouvé, c'est aussi, on l'a dit aujourd'hui, le parcours des graphismes et du collage. Donc la figure du collage, l'emploi du graphisme, mais aussi l'hybridation entre les graphismes et la, ainsi dite, réalité ou le corps de l'acteur, du performeur. Évidemment, l'art vidéo elle ne s'intéresse pas à la narration classique. Et pas du tout. C'est pour ça justement que Jean-Christophe Averty a marqué une différence.
Mais les jeux avec les acteurs, je trouve que c'est extraordinaire par rapport au décor et à la manière d'interaction entre le corps et la graphique du décor. Il faut servir un texte. Oui, il faut servir un texte. Ça, je trouve, ça, j'ai vraiment appris, et aujourd'hui encore mieux, l'importance d'un texte, mais l'importance aussi de jouer un texte d'une manière qui ne soit pas traditionnelle. Oui. Ce qu'on a dit aujourd'hui sur la marionnette, sur la gestuelle, sur la voix qui est très importante. Chez nous, par exemple, en Italie, il y avait un bon moment qu'il faudrait étudier dans cette perspective de vidéothéâtre. Vidéothéâtre et le théâtre à la télévision qui a été renouvelé dans les années 70. Et par exemple, sans faire de comparaison toujours, mais les Hamlet de Carmelo Bene, même si la télévision italienne a eu les couleurs très tard, la couleur en 77, donc très tard, 10 ans plus tard qu'en France, je crois, mais Carmelo Bene a voulu son Hamlet en noir et blanc, très contrasté. Donc il refusait les gris, et il voulait du noir noir, du blanc blanc. Bien sûr, il y avait les textes, il y avait les voix, on le sait. Donc ça aussi, c'est une question intéressante. Alors, à propos du graphisme et du corps, on a une vidéo qui illustre, qui met en page, qui met en scène la composition de Luciano Berio pour Cathy Berberian. Et évidemment, là, il y a une partition qui, ça c'est une image en mouvement, ici c'est bloqué, mais c'est une vidéo. Et je trouve assez intéressant comme type de recherche vidéo. Alors, là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, là, on a les collages, donc les figures de collage. Moi, j'ai choisi des exemplaires, mais il y en a beaucoup dans l'art vidéo. Il y a l'effet des platitudes. Hein? Aussi dans les vidéothéâtres, par exemple, de Mario Martone, des premiers temps, en Italie, il y avait l'effet Blue Studio, incrustation, avec les bandes dessinées, par exemple. Donc la platitude et le manque de profondeur. Là, on retrouve encore notre artiste d'Australie, Peter Callas, qui travaille beaucoup sur une imagerie populaire. Et il aime beaucoup les almanachs, les catalogues, tout ce dont on entend parler. Pour vous, c'est très important, je vois, faire ce type de recherche. C'est très important. Oui, on le sait, on le sait. Bon, on en parlera après. Donc là, il faudrait vraiment, pour moi, c'est le début d'une recherche, parce que j'ai découvert, grâce à vous, j'ai vraiment commencé à répertorier des images intéressantes de ce point de vue, qui mélangent des motifs, des iconographies populaires, des symboles et des imageries de toutes sortes. Encore les corps morcelés, des compositions. Évidemment, ici, on est déjà dans un régime numérique, donc les effets dont on parlait, qui est en analogique, étaient vraiment compliqués, très longs à faire. Et ici, ce n'est pas le cas, ça change beaucoup. C'est un collage numérique en ce cas-là. Et là, on arrive à un auteur que j'ai étudié, un auteur italien, Gianni Toti, qui est vraiment intéressant parce qu'il est un des plus, comme Jean-Christophe Averty, c'est un des plus cultivés
vraiment avec une érudition, une culture, une vraie culture littéraire, poétique. Il est né dans 1924, et il est disparu en 2007. Et c'est un auteur très intéressant parce qu'il il déclare et il rend hommage toujours aux avant-gardes, notamment le futurisme soviétique. Il a consacré un vidéopoème, Skwezang Zaum, à Vladimir Klebnikov. Et il théorisait et pratiquait dans ses vidéos le langage transmental de Klebnikov. Et son œuvre, dans son œuvre, le texte est très important. Les textes littéraires, les textes poétiques qui remanient d'une manière assez fidèle, mais aussi visionnaire. Et, par exemple, avec des jeux de mots, avec ce qu'on disait, les métaphores qui sont prises à la lettre, au pied de la lettre, donc mises en scène, mises en image telles qu'elles sont, avec par exemple des génériques qui ne sont pas classiques. Et les caméramen, il l'appelait les chiméramen, chiméramen. Il parlait de la poétronique, de l'architectronique, de sognificati au lieu de significati, c'est-à-dire les rêves signification au lieu de la signification. Donc toute son œuvre est vraiment un mélange de... c'est une œuvre d'avant-garde, mais avec un bagage culturel aussi classique, pas seulement d'avant-garde, vraiment énorme. Donc c'est un artiste aussi pour le thème d'aujourd'hui, très intéressant. Ça, c'est des images de la mort, du triomphe de la fin. Ça aussi, c'est un jeu de mots, parce que le triomphe de la mort, c'est un cycle de fresques auquel il s'est inspiré. Et c'est une œuvre assez scandaleuse, on pourrait dire, pour la polémique contre les religions et qui induit les paniques, la peur de la mort. Donc c'est un petit poème qui nous engage dans une lutte contre la terreur des, il dit, les religionnaires, c'est-à-dire religion, révolution, malentendu, évidemment, qui nous font peur. Donc c'est vraiment quelque chose très avec de l'humour, avec de l'ironie anthropologique, disons, contre l'idée de la mort, de l'idéologie de la mort. Donc, là, on trouve ça aussi dans certains moments de l'œuvre de Jean-Christophe Averty, les partitions avec les fils, oui, dans les œuvres de musique. Et je trouve vraiment intéressant toute l'œuvre de Gianni Toti. Gianni Toti, comme vous l'appelez, il a travaillé en France aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il a travaillé pour la télévision italienne. Donc ça, c'est intéressant. Il a travaillé dans les années 80, début 80, pour un secteur très tardif, comme on dit, d'expérimentation à la télévision publique italienne. Mais ces vidéos, justement, Skwezang Zaum, la trilogie mayakovskienne, parce qu'il a fait aussi une trilogie mayakovskienne, où il a aussi réélaboré un petit bout de film disparu que lui avait donné Lili Brick. Donc c'est vraiment un hymne à Mayakovsky, à Lili Brick, aux avant-gardes. Alors, ce travail n'a jamais été transmis à la télévision italienne, jamais. Donc, ils ont produit. Gianni Toti, il a forcé les techniciens, comme je crois que Jean-Christophe Averty l'a fait aussi, pour employer les générateurs, les truqueurs, les générateurs de faits, les machines. Bien sûr, la télévision française était à l'avant-garde par rapport à nous, mais aussi grâce à Jean-Christophe Averty. Donc, Toti, il l'a fait 20 ans après, mais
il a fait ça, ce sont des œuvres qui ont reçu des prix, mais il n'a jamais été transmis par la télévision italienne. Donc, c'est, il disait, je suis un dispérimentale, c'est-à-dire désespéré expérimental. Parce que je travaillais à la télévision, à la secteur expérimental de la télévision, mais d'une manière désespérée. Donc, je suis un dispérimentale. Voilà encore des graphismes. Et je serai ça, c'est une femme qui fait de l'animation en Italie, parce qu'il y a pas seulement dans cette séquence des articles de journal aussi, donc avec le mélange de dessins et une technique qui est en même temps artisanale et découpage, dessin et texte des journaux. Évidemment, je n'ai pas cité les auteurs français qu'on cite toujours à propos de Jean-Christophe Averty, c'est-à-dire Pierre Trévidic, Marc Caro et d'autres qui ont travaillé. Mais ça, ce n'est pas vraiment de l'art vidéo, on peut en parler. Et je ne vais pas parler de ça en plus, même si je connais, parce que je crois que vous les connaissez déjà assez bien par rapport à d'autres. Par contre, j'ai inséré Michel Jaffrenou parce que, évidemment, c'est quelqu'un qui s'inspire aussi un peu. Bon, ici, évidemment, c'est quelque chose qui a à voir avec notre thème, mais qui est aussi inspiré par l'idée du collage. Ici, là, le petit bonhomme en miniature. Oui, c'est une citation de Magritte, évidemment, mais c'est Michel Jaffrenou. Michel Jaffrenou avec ses trucages. Quelque chose qui unit l'œuvre de Jean-Christophe Averty à l'art vidéo, c'est l'exhibition des trucages. Alors, l'ostension, on en parlait ce matin, François Jost, ce type de trucage qui n'est ni caché, ni invisible, mais qui n'est pas fait seulement pour amuser, mais qui est démontré, donc qui est montré. Donc, pas voir comment si, donc avec l'histoire de l'illusion, mais voir comment. Donc, qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait. Là encore, on a la figure du corps, du collage, de monstrueux, merveilleux, perturbant, etc. Mais l'œuvre de Jaffrenou a plusieurs exemples comme ça. Et ça, c'est un auteur polonais, très connu d'ailleurs. Je crois que toute son œuvre, qui d'ailleurs a été transmise par plusieurs télévisions, même par la télévision italienne, ce qui est bizarre vraiment parce que nous sommes très en arrière. Il a fait aussi des clips, je ne vais pas parler évidemment de cet aspect, mais il serait important aussi d'en parler comme un pionnier de la vidéo musicale. Et il est passé à l'incrustation aidée par le numérique après, mais je trouve que pour le surréalisme, cette œuvre, c'est la plus intéressante pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté humour noir qui est d'ailleurs souvent on trouve dans les productions de l'Europe de l'Est. Mais ça, il y a plusieurs références au surréalisme. Donc, la question de quelque chose de solide qui devient mou, les fenêtres, des symboles, un peu partout. Et c'est, je trouve que ça c'est intéressant comme vidéo pour cet aspect. Les technologies qu'il emploie, elles étaient vraiment très difficiles à l'époque. Là, avec le numérique, vraiment intéressant. Et encore là, Beriou, je trouve que c'est très l'image c'est pas très, très bien, mais c'est quelque chose. Comme les réflexions sur la puissance motrice de l'amour de Trévidic, là c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas comment dire, peut-être un peu pataphysique, je ne sais pas. C'est l'idée de féconder la lune,
donc un couple qui désire féconder la Lune, mais tout ça mélangé avec de l'humour, par exemple, et on ne voit pas, mais il y a des œufs, comment dire, au plat, comment dire, sur les décors. Donc quelque chose qui vraiment se moque de la rhétorique de l'amour. Donc c'est quelque chose un peu corrosif contre la rhétorique du couple, de l'amour, etc. Bon, je vais bientôt terminer et je termine avec une dernière image qui est aussi intéressante parce que là on est du côté justement de la petite figure de femme, on en a vu aujourd'hui, donc miniature de femme un peu fantastique, la femme fleur, ici on a la femme papillon, et quel est le problème? Le problème c'est que tout ça, les images que je vous ai montrées, il y en aurait beaucoup d'autres, c'est des images qui démontrent que l'art vidéo a su dépasser aussi la phase qui était seulement la phase de destruction des téléviseurs ou simplement de modification de l'image pour créer aussi avec des textes, de la musique, du son, aussi quelques significations un peu plus denses. Quel est le problème? Le problème, c'est que tout ça ne va pas à la télé. Donc, la grande différence, c'est pas seulement au niveau de profondeur, de richesse, de quantité, de qualité, mais c'est aussi dans les moyens de diffusion. Parce que Jean-Christophe Averty a quand même, c'est quelqu'un de la télévision qui a montré avec un défi énorme, avec tous les scandales qu'on sait, dont on a parlé aujourd'hui, il a vraiment pris en charge ce défi de communiquer au grand public, avec un grand respect pour l'intelligence du grand public. Là, c'est des images qui restent dans les circuits des festivals et maintenant YouTube ou des petits écrans, des écrans d'ordinateur. Et qui sait, dans le futur, peut-être avec les nouvelles télévisions, ça va changer. Mais pour le moment, les fantastiques n'habitent pas la télévision. Oui, merci beaucoup Sandra Liski pour cette très très belle intervention. Et justement, cette idée de l'héritage surréaliste, du surréalisme en héritage, et aussi justement ici, alors à la fois dans l'art contemporain et dans l'art vidéo, et l'héritage de Jean-Christophe Averty, on pourrait dire Jean-Christophe Averty en héritage, dans l'art contemporain, c'est vraiment passionnant de montrer cette vitalité de cet héritage. Alors justement, une question que je voulais poser à Sandra, est-ce que certains artistes... Est-ce que les artistes, certains d'entre eux, ont revendiqué cet héritage, ont parlé de Jean-Christophe Averty, de ce qu'avait été pour eux la découverte de son art? Alors j'ai oublié de dire la moitié des choses que je voulais dire, parmi lesquelles, c'est évidemment en Italie, Averty c'est connu. Dans les textes les plus avertis sur l'art vidéo, on les cite toujours. Surtout en Italie, il y a un artiste vidéo qui s'appelle Alessandro Maducci, qui a étudié surtout les côtés surréalistes de l'art vidéo, et qui, dans ses livres, il est artiste, mais aussi enseigne à l'Université de Turin et a écrit des livres sur l'art vidéo. Il parle beaucoup de Jean-Christophe Averty, et partout on les cite. Mais c'est vrai que quelquefois c'est un héritage conscient, mais on n'a pas tellement connu les œuvres en Italie d'Averty. Hein. Quelque chose est passé à la télévision italienne, je crois, dans le passé, hein. Mais pas aujourd'hui, pas beaucoup. Peut-être Yves Montand est passé à la télévision italienne, mais les jeunes n'ont pas vu. On parle des années 70, peut-être quelque chose est passé. Mais
Aujourd'hui, ce n'est pas connu. Les gens connaissent, lisent, mais c'est pour ça qu'on l'avait invité à Milan, pour les faire connaître un peu mieux dans un festival d'art vidéo, dans une grande ville. Mais quelquefois, c'est conscient, mais la plupart des fois, c'est inconscient. C'est intéressant qu'ils arrivent très tard à faire des choses que Jean-Christophe Averti avait fait des décennies avant. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des résonances, oui, des échos. Oui. Merci, je pense que cette intervention a beaucoup intéressé justement tous ces jeunes artistes qui sont de Paris 8 et qui sont là aujourd'hui et qui justement, eux c'est pareil, ils n'ont pas forcément cette culture des années 60, mais ont cette culture indirectement par la réutilisation, les clins d'œil, comme ont fait les artistes et vidéos d'aujourd'hui. Par rapport aux images qu'on vient de voir, il y a des choses qui vous ont étonné plus Le problème, c'est qu'il y a toute une école italienne, mais je vous la crois bien, c'est le futurisme. Tous les tableaux peints par tous les peintres futuristes, un petit peu près avant la guerre de 14, sont intéressants. Ils vont peut-être pratiquer le vrai surréalisme, sans chercher à se mouiller dans les affaires commerciales. Breton les cite à peine dans le service de la peinture. Parfumé, je pense qu'André Breton était obligé d'écrire ce livre sur la peinture pour survivre physiquement. Il donnait la cote. Et moi, j'ai l'impression que j'ai eu quand j'ai rencontré à Paris en 1946, j'avais 18 ans, et j'ai l'impression qu'il marchandait avec son savoir et son autorité. Mais ce n'était pas évident. En tous les cas, il a soulevé contre lui une vague d'hostilité, parce qu'il... Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir été plus fidèle à sa présence. Mais j'avais 18 ans, j'avais toutes les excuses. Hein. C'était pas mon cas. Je n'étais ni peintre, ni écrivain, ni rien de musicien, rien. J'étais un homme qui espérait un jour faire de la télévision différente. Et j'ai renoncé à tout cinéma, à toute forme de théâtre et à toute forme de film pour pouvoir essayer de changer un peu les vieilles habitudes de l'écran, du petit écran. Mais qu'il y a en 1946, il n'y avait pas de télévision en France. Savoir faire l'IDEC et rencontrer un certain nombre de personnes, Jacques Prévert, comme Jean Ferry, qui était le frère d'un producteur qui a produit mon premier film, Il souffrait de Père Lévy. Et j'ai connu tout l'hiver de ces gens qui avaient étudié sérieusement le problème de Roussel, le problème de Rimbaud. J'ai eu beaucoup de chance, je vous répète que j'ai eu beaucoup de chance. Je ne regrette pas d'avoir vécu. Voilà. Mais c'est un peu triste, oui, d'en arriver à 86 ans, ce qui est mon cas, même dépassé, de pouvoir même faire, fabriquer, toucher, tempêter. Parce que maintenant, de toute manière, les êtres de mon genre, de ma qualité, sont vomis par les chaînes. On ne conçoit pas, pardonnez-moi, un Jean-Christophe Averti. Maintenant, c'est pas possible. Il est dans son coin, il attend qu'on chose en terre. Mais une expérience comme la mienne, on ne la fera pas. J'ai eu un certain nombre de... J'ai rencontré tous les êtres qu'il me fallait rencontrer dans un minimum de temps. Alors, Madame Ornella Volta, j'ai lu finalement vos livres. Et vous savez que vous n'avez pas aimé Parade que j'ai monté, parce que je n'étais pas dans l'orthodoxie du spectacle. Mais j'en ai tenu compte. Enfin,
J'ai fini de parler, parce que je dis n'importe quoi. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Et c'était ma seule source. Je connaissais Deschamps d'une manière imposée, parce qu'il avait été choisi par le producteur français, René Coty. Pas René Coty, un Coty. Bien. Non, pardon. C'était pas le même. S'il vous plaît. Mais. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais c'était un des importants, je regrette. Voilà, je vous fiche la paix. Est-ce qu'il y aura des questions? Oui, merci beaucoup Caroline pour ce magnifique exposé. Oui Moi j'ai une question à propos du film, on vient de voir le film sur Dali, mais je m'interroge sur l'émission que j'aurais fait sur Victor Vasarely. J'aurais aimé savoir dans quelles conditions ce film avec un autre artiste qui n'a pas du tout la même chose. Avec Vasarely. Dans quelles conditions le film avec Vasarely Est-ce que vous avez travaillé avec l'artiste de la même manière ou est-ce que c'était séparé? Non, Vasarely. Votre collaboration avec Vasarely. Votre collaboration avec Vasarely. Ben oui, c'est son acteur, en gros. Mais il serait Voltaire, c'est vrai. Non. Vasarely. Vasarely, ça ne prenait pas pour Dali, ça prenait pour Vasarely. Et en réalité, il était jaloux du film que j'avais fait sur Dali. Ouais, on avait montré pour avoir fait un encaissement pour le tourner avec Bory. C'était un être absolument impossible. Avec Dali, j'ai pris beaucoup de plaisir, même à me faire engueuler. Mais avec le Vasarely, c'était autre chose. Sa peinture, bon, vous le voyez bien, mais c'était un peu systématique. Hein. Il faut arrêter. D'ailleurs, il ne la faisait pas. Il collait tous les matins 50 cm carrés de papier avec des petits cubes autocollants et il faisait un tableau. Et ensuite, on le donnait, ce tableau, à des peintres des écoles de l'Aix-en-Provence qui exécutaient la moquette en grand. Et voilà. Alors, le Vasarely était jaloux du film que j'avais fait sur Dali. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il n'était pas Dali. Je m'en rendais compte. Mais ça ne retire rien à ce que si les gens qui aiment ça. Monsieur. Vasarely, on a le droit de l'aimer. Hein. Moi, je trouvais ça un peu ravoir. Hein. Bon, il s'était inspiré pour faire ce tableau des porcelaines, pas des porcelaines, mais des, je ne sais quoi, des céramiques qui couvraient la gare du train de Denfert à Rochereau. Oui, alors c'était. Je voulais bien, mais ça, c'était pas très marrant. Et puis alors, il y avait une chose qui était absolument exaspérante, c'était le fait qu'il n'allait pas dire entre chaque mot, bref, spa. Spa. C'est bien qu'avec une greffe, on a coupé pour supporter son discours, c'est insupportable. Sport. On a coupé, fait sport et on en a fait une bobine de 1h30. Il n'avait pas dit sport. Uniquement du son. Et encore, on a trouvé à la production finale devant les producteurs qui leur dit qu'il en restait encore. On a dû élaguer tous ces sports. Sport. N'arrêtez pas de le dire. Sport. Alors, bon, j'ai annoncé à lui dire qu'il pourrait éviter de les lire. Mais non, il a continué à spatifier. Et c'était le dernier film que j'ai fait pour cette production allemande. Voilà. Mais j'aurais aimé faire Max Ernst. C'était, vous connaissez bien Max Ernst, c'était un très grand peintre, un très grand artiste, un genre aussi. Tous les gens que. J'ai fait un maçon. Malheureusement, la pellicule a été volée. Quand il fit bien que. On ne peut pas le retrouver. Comment? On ne peut pas le retrouver. Non, il est perdu.
Lui est perdu. J'ai fait un maçon, lui était formidable, il a fait la guerre de 14 comme mon père. Oui, c'était un homme qui avait le même âge que mon père. Et donc, il a fait la guerre de 20 ans en 14, mon père aussi. Et j'ai sympathisé avec lui, seulement, il fumait. Alors, il habitait près de la rue d'Arbosset, au coin de la rue de Volée d'Arbosset, dans une rue parallèle à Libre. Et j'ai trouvé pendant un mois et demi avec ma soeur. Et le film est perdu. Perdu depuis longtemps. Hein. Et Vasarely aussi d'ailleurs. Non, le Vasarely aussi, il est perdu. Alors, mais Max Ernst et Jean-Marc, je regrette d'avoir eu l'occasion de tourner pour eux. Ça me sonnerait d'abord. Sur le plan professionnel, ça ne m'aurait pas valorisé, égoïstement. Et ensuite, je pense que j'aurais peut-être pu les servir, malgré mon inanité. Voilà. Mais, bonne nouvelle, le Vasarely est visiblement toujours de ce monde. Hein. Oui. Voilà. Vous savez, le travail, vous savez, je ne vous l'apprends pas, mais vous devriez le savoir. Un metteur en scène de télévision, un metteur en scène tout court, est susceptible de subir les lois du hasard. C'est-à-dire que je n'ai jamais mené ma vie avec un plan de carrière. Ça venait heureusement. Autrement dit, j'ai eu toutes les opportunités pour faire ce que je me plaisais. Les choses arrivaient sans que je les demande. Les dramatiques que j'ai choisies, c'est bien sûr. Mais avant de réaliser l'issue près des merveilles ou bien de concrétiser le son de l'unité, c'est une pièce que j'arrivais à monter, les circonstances se prêtaient à ce que j'arrive là-dedans et je fasse mon travail, sans avoir trop de discussions. Sinon, avec les grandes autorités de la télévision, j'étais toujours en bisbille, parce qu'ils ne comprenaient rien. Ils n'admettaient rien. Pour eux, l'essai de des merveilles, c'est comme si il y avait un film qui avait été fait par Walt Disney, précédemment au mien, qui ne jurait que par lui. J'avais un bidon douille à présenter le chat, le sourire du chat, d'une manière absolument invisible. Oui, c'est un. Mais j'ai eu un 20 ans de plaisir. Voilà. Il faudrait qu'on le visionne à l'esprit des merveilles. Hein, c'est vrai que ça sera notre prochaine rencontre, peut-être. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être continuer, puis on laissera un peu de temps pour la fin. Il donne au cadre au programme, Louis Armstrong, Fletcher Anderson, tout ça, c'est un univers qui permettait, par exemple, d'organiser au cinéma familial, en 1927 ou 1928, et puis un peu plus tard, en 1931, 32, 33, des séances de films d'art maigre. Parce qu'on était un peu brutal à l'époque. Les gens qui avaient leur peau de couleur étaient des gens qui n'étaient pas comme nous. Mais heureusement qu'ils n'étaient pas comme nous, parce qu'ils étaient comme eux. C'est un plaisir de les voir vivre dans les quelques films qui restent des années 30. Ils sont généreux, ils donnent de leur personne, et en France, ils avaient en plus une musique qui était spéciale, c'est la musique de la Martinique et de Guadeloupe, la Béline, qui est arrivée en France en 1929, après l'explosion de tous les musiciens en 1906, tous les musiciens ont quitté la Martinique, et ils sont venus travailler en France. Ils sont révélés en 1929, au bal maigre, c'est-à-dire le bal qui est la rue Blomet, que les surréalistes fréquentaient, des Stones, tous ces gens-là, et combien d'autres bretons, ils disaient, les surréalistes, nous n'aimons pas la musique, il y a une confusion, breton dixit. Mais il épousait une danseuse et une nageuse, alors à l'époque, c'est un peu contradictoire, la musique, fait partie du groupe surréaliste, du même groupe surréaliste intéressé à la musique. Michel,
Michel Tapier à la clarinette. Jacques Bureau raconte que c'était un bastringue et une cacophonie que nous voulions par dérision particulièrement lamentable. D'ailleurs, il existe un témoignage de cette formation, un enregistrement d'un foxtrot, et je me demande si vous avez ce disque réverbère que je recherche. Ah oui, d'accord. Oui. Mais est-ce que... Comment ? Voilà, alors donc revenons, donc effectivement vous avez tourné en 1982 une version des mamelles de Tirésias. Pièce Apollinaire, donc il y a un marque par Pierre Berbigro, qui avait été le directeur de la revue FIC. Au début des années 119. Mais revenons à votre version, oui. Où vous invitez. Alors, j'ai pris comme pour accompagner le spectacle, chose qui n'existait pas dans le spectacle originaire, qui a été monté un peu avant la mort de Apollinaire, oui, en 1917. Au printemps 1918. Et c'était présenté devant tout Montmartre. Et ça fait scandale, bien sûr. J'ai pris un batteur pour accompagner le spectacle. Voilà, vous aviez pris. Pas musique, sinon de la batterie. Ce qui a choqué les oreilles du grand bourgeois de spectateurs français, ils n'ont pas compris du tout ce que j'ai voulu faire, une fois de plus. Mais c'est pas grave. Et donc c'est j'en ai survécu. C'est Daniel Humer que vous invitez à la batterie et Claude Bolli qui en sera le compositeur de la musique. Alors, je vais montrer dans la version que vous avez filmée, d'ailleurs, vous faites un clin d'œil à Robert Delaunay en montrant le disque. On va regarder l'extrait, vous comprendrez. On a vu tout à l'heure des images de... On est en France. 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 Et puis ensuite, dans les bacs de musique, on a eu les grottes de Paris. Dans une boîte à Paris, dans la rue près de l'Olympia, il y avait 3-4 boîtes de joueurs qui jouaient une musique qui était vaguement enregistrée, qui était intéressante. C'était une musique de Harlem qui venait en France après la guerre, ou pendant la guerre. La première séance de joueurs a eu lieu en 1917-18 avec les Américains. Ils ont commencé à entrer en guerre en avril 1917. Dans des figures que cette musique était congénitale avec les troupes belgiques de l'AIF. Et donc ça a changé. Un jazz, c'était une batterie, au départ. Alors qu'aux États-Unis, c'était pas ça du tout. Le jazz, c'était un orchestre. Alors, c'était une formation de 5 ou 6 musiciens qui venaient généralement de la Nouvelle-Orléans. Oui, alors, c'est pas par hasard, c'est ce qui a transformé le jazz c'est l'orchestre de Nouvelle-Orléans qui sont venus d'abord des blancs, qui peut paraître bizarre, et ensuite des orchestres noirs. Ils jouaient au Reisenberg's Restaurant, ils jouaient au Rector's Club, qui était évidemment un restaurant très cher, dans les années où les Américains sont venus en France. Et puis lorsqu'ils sont venus, tout a fait changer. On s'intéressait plus qu'au jazz, et ça a duré pendant 4 ou 5 ans. Voilà. Et Armstrong n'a fait que suivre le mouvement en créant son five et en suivant le mouvement. Et on ne compte plus les orchestres qui ont fait quelques disques entre 1917 et 1925. C'est incroyable. Toutes les petites formations de rien, les Memphis Five, des gens qui jouaient une musique complètement différente de ce qu'on avait entendu. C'était plus de ragtime, c'était pas de la valse bleue, c'était vraiment une musique. Et ensuite, il y avait un musicien qui restait en France jusqu'en 1939. Vous connaissez son nom? Louis Mitchell. C'était uniquement des disques studio.
Et un orchestre, celui de Louis Mitchell, a enregistré des, je ne sais pas combien de disques vont partir, une bonne trentaine, formidable. Oui. Et il était, c'est un orchestre valeureux au point de possible, qui donnait la scène pendant, je ne sais pas, au Casino de Paris, aux Folies Bergères, et dans des potes comme le Red Corps à Paris, ou le Club des Acacias. Donc, au lycée Louis le Grand, vous faites la connaissance également de Pierre Atlan, oui, dont vous serez le pianiste. C'est Louis le Grand, ça. Voilà, c'est lycée Louis le Grand. Oh là là, oui, d'accord. Alors, donc, comme. C'était son nom, disons qu'il fut. Il reste 5 minutes. Donc on est obligé, et si on veut laisser encore un tout petit peu de temps pour un dialogue avec la salle. Oui, oui, c'est la catastrophe. Alors, c'est-à-dire que c'est une très bonne idée, mais le problème c'est qu'on est là depuis ce matin, et je pense que beaucoup de personnes, mais on va se redonner d'autres rendez-vous pour voir les films en entier. Non, non, mais de toute façon. Comme le proposait Virginia, mais c'est sûr que. Alors, matin, on avait privilégié le mode de journée d'études avec des extraits, mais à d'autres moments, on fera des projections avec des bars. Vous partez aux États-Unis à la fin des années. Ça dit, quand toujours un peu les pieds. Et l'auto-monographie, l'auto-biographie, c'est effrayant. Alors, sauf que vous vous passionnez pour l'histoire de l'original Dixieland Jazz Band, que vous allez donc rencontrer les musiciens de cet orchestre, que vous allez les interviewer, vous irez à New York, à la Nouvelle-Orléans, et que vous publierez une importante étude sur cet orchestre, une étude de plus de 80 pages dans les cahiers du jazz, et que 10 ans après, vous consacrerez un film à cet orchestre avec des musiciens de jazz. Et notamment, ce film est tourné à la fin des. Enfin, ce film, cette émission est tournée à la fin des années 70. Et vous dites à cette époque, vous racontez à Jacques Siclier que c'est à cette époque que votre amour de la musique américaine est magnifié de plus en plus. En tout cas, vous êtes, on va dire, novateur aussi à ce niveau-là, parce qu'aux États-Unis, terre de la musique du jazz, il n'existe aucun, on va dire, en tout cas en 1970, aucun je cherche le mot, tout à l'heure je l'avais, et puis voilà, c'est... il faut conclure. Oui, je vais conclure. écoutez, alors j'ai choisi comme extrait pour représenter le jazz qui est tout de même partout. Effectivement, je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire, mais on n'a pas parlé de Jean-Claude Pelletier, qui est un pianiste de jazz, qui a travaillé pour vous. Là, en fait, la musique de jazz, la musique américaine est présente dans toutes vos émissions. Et j'ai choisi comme extrait l'enterrement de Cornelius de Gilbert Bécaud, où l'émission commençant par on était 200 à l'enterrement de Cornelius, vous aviez convié 200 figurants et vous avez représenté un enterrement de la Nouvelle-Orléans. Et pour cette chanson, vous insérez des photos de la Nouvelle-Orléans. On voulait tous vous remercier, tous d'être là, bien sûr Jean-Christophe Averti et tous les intervenants. C'était vraiment une journée extrêmement riche, extrêmement émouvante aussi, oui, tout à fait, vous avez absolument raison. Alors, je pense que, envoyez-nous vos textes aussi, hein, parce qu'on va essayer d'en faire quelque chose, on verra avec Caroline. On peut en faire une édition, soit en ligne, soit enfin, on verra la forme qu'on pourra lui donner, mais surtout envoyez-nous vos textes. Et puis on va donner des prolongements, bien sûr, dans la salle.
Il y a eu des suggestions, bien sûr, de visionner des films. Moi, ça m'a redonné envie de voir l'autoportrait mou, de refaire une séance sur l'autoportrait mou avec Jean-Christophe, justement, avec un débat, parce que ce film est vraiment magnifique. C'est vrai qu'on ne se lasse pas de le regarder, il est tellement riche. Et puis, Alice au Pays des Merveilles, peut-être d'autres. C'est vrai qu'il faudrait... on pourrait imaginer une journée, effectivement, avec cette fois-ci des projections et des dialogues entre les... Quoi ? Un concert de jazz. Ah oui, un concert de jazz, oui. oui, c'est tellement riche que, effectivement... donc, on va donner le mot de la fin à Jean-Christophe, hein, qui va conclure cette journée. Comment ? Je vous donne le mot de la fin. Le mot de la fin. Mais j'ai pas de mot à fin. Disons, il n'y a pas de mot de fin. Il y aura la fin quand je vais mourir, rentrer sous terre, et quand ce sera mon enterrement. J'espère qu'il sera en musique, mais c'est pas évident. Parce que ça coûte cher, les musiciens. Et ils sont payés. Et c'était le principal revenu des musiciens de Nouvelle-Orléans, c'était les mariages et les enterrements. Alors, ils ne vous paient jamais le coup. On joue un petit peu de musique pour y aller au cimetière, une musique qui est généralement triste. Et puis on revenait avec une musique gaie. Voilà comment on enterrait les gens dans les ventes. Mais ça continue encore un petit peu. Peut-être pas avec Adrien, ça a changé, mais j'ai assisté à Nouvelle-Orléans à deux enterrements que je n'ai pas provoqués. Je n'ai pas pu. Non, je n'ai pas provoqué, je veux dire, je n'ai pas organisé les festivités. Mais il y avait des musiciens qui avaient connu les années 20, je suis allé en 78 et 79. Attendez, 76. C'était pour le bicentenaire de la révolution américaine contre les Anglais. Et donc il y a eu un Nouvelle-Orléans, une festivité. Et tous les ans, l'association des musiciens de Nouvelle-Orléans donne des fêtes pour le carnaval, qui est réputé beaucoup plus que celui de Lille, ou celui de Rouen, ou celui de Marseille, ou de Lyon. C'est un carnaval qui n'en finit plus, qui dure 4 jours. Voilà, c'est bien que la société Nouvelle-Orléans, blanche et noire, se donne fête. Et à ce moment-là, il n'y a plus de racisme. Alors, si à Nouvelle-Orléans, c'était terrible. J'ai assisté à des scènes de racisme élémentaire, primaire. Le carnaval permettait tout. D'abord, les gens buvaient, c'est qu'ils libéraient leur camp à soi. Et ensuite, une fois qu'ils étaient un peu piqués, on jouait de la musique. Et quelle musique ! Et puis, tout ceci a disparu, il y a eu des inventions comme le bop, comme toute cette musique, il n'en est pas. C'est un abus de confiance que de dire que le jazz moderne, contemporain, ou de l'écrit du rock'n'roll, et de la musique. Non ! C'est du bruit, c'est du bruit bien joué. Mais ça ne concerne pas le jazz. Ça ne concerne pas la Nouvelle-Orléans, ça ne concerne pas ce Chicago du tout. Voilà. Enfin, il faut être intégriste un peu dans le musée. Merci Jean-Christophe, merci.